Et salut à tous, on se retrouve du coup sur le mode Chronique d'âme de Soul Calibur 6. Et du coup, il nous restait Tira, Talim et potentiellement la fin de Zassalamel à faire. Et donc, on va commencer avec Tira, c'est parti. Je vire ma tronche, hop, le bouton A, et je me mets en grand écran pour moi. In the shadows of Europe lurks a group of assassins known as the Bird of Passage. The moment the evil seed happened, Tira was undertaking a mission. Under the influence of, through a stroke of good fortune, a family took her in over the most trivial of things. Tira. D'ailleurs, je me pose la question pour ceux qui n'ont pas la version du. This is what I was born to do. So peaceful. I wish that. Who's that speaking? Shut up. Doesn't matter. We need to get out of here. Damn it. I know. We can continue to kill. Pour ceux qui n'ont pas le DLC de Tira et du coup le Season Pass ou quoi que ce soit, est-ce qu'ils peuvent faire le mode histoire de Tira? Bonne question. Si vous avez du coup le jeu et que vous n'avez pas le Season Pass ou le DLC de Tira, est-ce que vous pouvez me dire si vous pouvez quand même faire le mode Chronique d'âme de Tira ou pas? Alors, doté de multiples personnalités, Tira pouvait être euphorique un instant et dans le plus grand désespoir l'instant suivant. Avec le temps, ces facettes de sa personnalité finirent par avoir un nom. Tira de la joie et Tira de l'ombre. Sans destination particulière en tête, Tira partit à l'aventure afin de tuer autant de personnes que possible. Fort sympathique. Excuse me. Huh? Please help me. What's wrong? It's kinda. It's okay. Just try. I'll be taking your life now. Comme ça, au calme, ok. Pourquoi pas? Non, merde. Merde, c'était pas ce que je voulais faire. Bon, bah voilà. Wow. Ok, c'est la même chose qu'avant. Comme ça, on aura vu la shop et un des. Voilà, c'est ça qu'on veut voir. Je déconne. Who cares what you think? Can't you kill without? But if we're not careful, we'll draw. And it's not just about the. If you just rush in, then you can't. Rien n'ayant rien à voir avec Tira de la joie, Tira de l'ombre n'aimait rien de plus que l'acte d'ôter la vie et fréquentait en conséquence de nombreux champs de bataille à la recherche de sa prochaine proie. Il y avait bien pire comme endroit pour tuer quelqu'un, mais tuer sans distinction comportait toujours des risques. De se faire attraper, bon. En même temps. You always get carried away, Jolly. Who needs fancy stuff? All you need to do is cry. That's what real killing is. Who are you? What are you? Oh, pipe down! Can't you see how annoyed I am? Ok. On va massacrer un soldat juste parce qu'il est venu nous faire chier au mauvais moment. Classique. Ah, il y a deux soldats, autant que moi. Wow.
KO, here we go. Un truc que j'aimais bien faire dans Soul 2, c'était de finir les mecs au bord pour pouvoir les éjecter quand ils mouraient et tomber avec eux juste derrière. Bon, il m'a touché une fois. On est d'accord. There, over there. After her. Uh-oh. Encore des soldats. Encore des soldats? Travail terminé. Encore du travail? Tira et reste en but, ces deux personnalités se chamaillant sans cesse. Soudain, un membre de l'oiseau de passage apparut, bien décidé à accomplir son objectif. Why can't you just keep your mouth shut? Why can't you? There's nothing ever straightforward. Damn it, this is... How come it always ends up like this? Hold on, Jolly. Been a while. I Cern Drossel. Huh? Are you part of the Bird of Passage too? I need your help again. I Cern don't call... I'm Tira! Griffe de fer. Griffe, hein, l'oiseau, pas la griffe. Mais Ice on Sight, y'all! Ah, je te fais. Par contre, en deux rounds là, d'habitude c'est en trois. Wow, tu me touches. C'est pas très très légal ça, monsieur l'arbitre. Wow, du testing. Wow. C'est pas très très légal tout ça. Are you stupid or something? No way we're going back to. All I want to do is kill and. Still, I want to know some. Why are you here? Nightmare? Tell me all you know. Tu vas me dire ce que tu sais et je te bute après. Au moins c'est bien de réfléchir. Hein. Faut dire que y en a qui l'auraient tué avant. Hein. D'après les informations que Tira put tirer de l'oiseau de passage, un être du nom de Nightmare récoltait des armes quelque part. Ayant constaté la cruauté de Nightmare de ses propres yeux, Tira put difficilement contenir son excitation. Était-ce dû à la perspective de rencontrer quelqu'un ayant le même hobby? Peut-être avait-elle simplement trouvé un modèle qui y ressemble. Where's no... Just look at all such ruthless wanton. I've got goosebumps. I want to see him now. We're getting closer. That means some silly flies are gonna start buzzing. Did you really think you could escape, I Sandra? I have been ordered to kill you if you... Kill us? Ok. Mokhtar. Yartor Streiki. Il y en a combien? 1, 2, plus.
Mince, super. Je vais pas me les envoyer par deux ou trois, ce sera plus sympa. Merde. C'est vraiment histoire de, hein. Attends, on l'a tellement dessapé le mec. Il va se retrouver en slibard, il va rien comprendre. Ah merde. Voilà, c'était. On n'a pas réussi à le foutre en slibard, mais c'est pas grave. Austrinsburg. As long as the bird of passage or anyone stay. This is where it's. Elle est vraiment, mais vraiment dérangée. À l'intonation, ça m'a fait penser à une vieille vidéo qui a traîné pas mal de temps sur internet. J'en parlerai pas. Tira arriva à Austrinsburg où la base de Nightmare était censée se situer. Cependant, elle fut accueillie par un homme à capuche blanche et non le chevalier d'Azur. Ouais, l'intonation me faisait penser donc à. Paul, quand vous est venu le goût de la merde? Ah, j'en sais la main. Is this duller? I shall tell you all if I deem you worthy. Wow, he w- You just became a teeny bit more. Ça veut dire que l'histoire de Zassalamel peut pas se faire sans. C'est bien ça. Du coup, il fallait bien faire les modes d'histoire avant. On s'est tapé tout le texte avec Zassalamel. Ah, trois ronds. Well. Wow! Je vais me reconcentrer un peu parce que là, je suis encore en train de morfler. Merde! Putain! Et mange tes morts! Le sang de tes morts, je vais te faire manger! Putain, et là, c'est moi qui suis en train de manger. Ah putain! La garde au bon moment! Fouh, le vol de game! Contre le PC, c'est chaud quand même! Ça montre que je suis vraiment mauvais! Ah putain, le mauvais timing! Ah putain, ça appuie, j'ai appuyé sur la gâchette sans vouloir, putain. Ça s'est mieux passé quand même. Même si j'ai appuyé sur la gâchette comme un blaireau. Oh.
Mais ma garde, putain. Ma garde qui fonctionne plus, putain de bouton A, quoi. Ah oui, je m'excuse, je suis toujours un peu malade. Ok, d'accord, comme ça. Merde. Qu'est-ce que c'était son problème? A rather boring fight. I didn't even feel like who cares about him? I know. I can hardly contain myself. This is the first time we've been on the same page. Ouais. Ok, ok. Bah du coup, on va se faire dans la foulée Taline. Hein, puisque du coup ça fait que 16 minutes. Ah, ça va même pas jusqu'à... Ah, il manque un bout aussi de Raphaël, j'avais pas vu. On va faire Talib. Dernière prêtresse des vents. Merde. Dans les contrées reculées de l'Est, il existe un village qui vénère le vent et qui vit en harmonie avec la nature. Talim est née dans une famille de chamans. Elle est destinée à devenir la dernière prêtresse des vents, une coutume menacée par la civilisation occidentale. Westerners began to visit her village, and the elders who saw this vitality charm instantly realized it was dangerous. Such an evil aura. It is far from... It could end up influencing those... Long ago, I sensed an... Oh? And I have a feeling that this shard isn't the... It must be returned to its right... I agree. I sense it belongs in a faraway place. Please... No. You're the last priestess of the wind. If you were to leave this island... There would be no one left to put. Perhaps her journey could bring her closer to nature. And don't you think that's just as possible? Father? I agree with my husband. Sanput, Liddy, still. Eldest one, will you not give Talim Elder Kalana. Talim, think about what you're named. She's gone. I see. Talim, you'll have to wait a bit. Okay. The eldest one is not as sharp as... Oh, listen to the pot call the kettle black. You see... Ok, d'accord. Oh, ça crache sur les anciens, c'est bien pour les respects des traditions. Peu importait l'agitation autour de l'éclat de métal, Talim devait s'acquitter de son devoir en tant que dernière prêtresse des vents. En l'occurrence, son devoir était de s'entraîner à pratiquer l'offrande de l'épée d'encens avec la prêtresse du village de la déité du vent. Such a nice breeze. Indeed. Once you've finished your sword practice, you should hike to... Great idea! Now, let's review your lesson once. Are you ready, Talim? Yes! Donc on va se battre contre elle, je suppose qu'elle a un style similaire au nôtre. Ouais. Wow, je m'étais baissé avec un coup de pied, voilà. C'est la même chose que dans le temps.
Ah, je pouvais peut-être pas balancer la purée. Tant pis. I think that's enough for today. Thank you so much. Talon. Yes. Unfortunately, the amulet. What? Not even my divination tech. Did you happen to sense any? Now that you mention it, I can't sense. Where could it have gone? I doubt this is simply. Perhaps we should be thankful it's gone. No, there's no tell. We can't relax until. However. Huh? Don't worry, everyone. Oh, truly? Talon's determined. Ok, du coup, elle part en quête de l'amulette. Ça pourrait être. Talon se dirigeait vers le monde. Makirin, une montagne illustre et sacrée, afin de s'y entraîner, elle espère également que son cœur réussit à trouver des indices sur la boue. Thank you for making the long trek. Oui, c'est mon chemin. Welcome, last priestess. I am Talon. I've come today to request that you teach me the technique. Relax your body once you're finished practicing. Ok. Très bien. C'est temps de chargement. Est-ce qu'on peut balancer la sauce? Oui, on peut. Oh la vache. Les enfants du village disparurent soudainement de plus. Des groupes d'étrangers avaient été vus récemment dans la région, certains faisant preuve de violence selon les rumeurs. Talon descendit donc de la montagne afin de trouver les enfants avant qu'il ne leur arrive du mal. Le mal. Oh, Talon! It's Talon! You'll have to save your adventuring. Everyone in the village is mischievous. It's true! Demons are restless. Whoa! I'm scared! It seems they're in need. Alors, combien de démons? Un ou deux? Bon, je dirais un. Vu qu'a priori, ils veulent tout nous mettre en une fois, je pense. Wow! Trois, la vache! C'est tellement pas attendu. Wow. Wow. D'où? D'où tu te permets sans déconner? Pardon. Wow. Wow, ça c'est dangereux. Wow, il a trop d'allonge par rapport à moi. Il avait beaucoup trop d'allonge. Et j'ai eu beaucoup trop peur du beurre. Wow.
Wow. Ça, c'est des trucs qui peuvent se finir en... Je sors... du ring. Hey, tell him. Were the demons getting... No, I think they're just out... Hey, can the foreigners... No, creatures of the spirit world can... What? Huh? Come on. Je me demande qui sont les étrangers. Est-ce que c'est les gens de Cervantes? Les rumeurs parlent d'une créature vampirique apparaissant dans la banlieue des villes proches. Voyant la panique s'installer, Talim promit de détruire le monde. Vampirique. Each night it's more ill deeds. Don't worry, I'll... They've seemed especially violent. Travelers have reported attacks. I will. They're good at disguising themselves as human. The thought of them transforming in... Please don't worry yourself. Priestesses have the ability to see. Everything will be... Personnage créé. Est-ce qu'il me semble pas qu'il y ait de vampires dans tout le temps? Oui, merci. Non, ce serait pas trop cher. Oh, avec le style de vol de... Il est vraiment moche. Alors déjà, je vais critiquer, mais... jambes de satyre, aile de diablotin... Et style de Voldo, c'est vraiment dégueulasse. C'est tellement pas... Je veux dire, ça aurait pu être créé par un joueur, ce serait encore plus moche. On dirait que c'est un gamin de 15 ans qui l'a fait, qui savait pas quoi faire. Qui s'est dit, et si je faisais un personnage avec tout ce que je trouve des moches? Ouais, il m'a touché une fois, ça m'a fait chier. Dommage. Ah putain. Fuck you with the Voldo style. Ah merde. Oh j'ai réussi, je sais pas comment. Merde, trop court. Trop court, trop court. Ma foi. I had to get a little for you should be okay for now. I knew we could count on a priestess from. Thank you. I'm sorry that there's no way for us to repay you. It's okay. I'm just now. If you'll ex. She's so grown up for. That she. Elle est trop mature pour son âge. Eh, si on savait, ouais, tu. Désolé. Talim ressentait quelque chose d'étrange avec l'amulette, comme si l'occasion se présentait. Elle se dépêcha de se rendre visite à Kalana, l'ancienne qui était également sa grand-mère. Eldest one. Oh, darling. Yes, it's me. What a fine breeze. Grandma, don't everyone seems really nervous? I think I've proven myself to. When did you notice? When the amulet went missing. I mean, you're the only one who could hide something so. Such a clever child, Talim. I knew you, but that wouldn't be enough to convince. I know. I'm sorry for. It's okay. My name means sharp blade. Even the last priestess has to face danger. It sounds a bit perilous, but I like my name. Talim, go. You're the only one. You must promise. I know. Ah, c'était la vieille qui avait tout fomenté. Oh la vache. Such an as long as I have the wind, I won't feel low, Grandma. Fellow villagers. Et voilà, on a fini du coup, Tali.
Et il y a un success team qui est donc terminer l'histoire de 20 personnages dans Chronique d'âme. Ok. Eh bien, je sais pas si du coup on peut essayer de finir Zassalamel et Raphaël sur cette vidéo qui est déjà relativement longue, surtout je ne sais pas s'il y aura des combats ou quoi que ce soit. Du coup, je vais vous laisser là et on se retrouvera pour potentiellement la dernière vidéo. Si je vois qu'elle est vraiment trop courte, je la mettrai à la suite de celle-ci. Enfin, elle sortira derrière. Mais voilà. Du coup, là-dessus, je vous laisse et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. À ciao, à plus !